Et bonjour à tous, bienvenue dans ce 41e épisode de KSP2 et aujourd'hui on va atteindre la surface de Joule. Allez, c'est parti! Sachant que potentiellement le coup de tour d'après on sera à 185. On est sous les 4000 bornes. Sous les 3000. Même sous les 2005, dis donc. Ok, 94. Pour plus bas, on va descendre à 185 ce coup-ci. M184. La tranche que ça prend, j'ai l'impression qu'on va faire une rentrée. Ouais, parce que là on est déjà sous les 1000 kilomètres. Oui, on est sur une rentrée atmosphérique ce tour-ci. Et rentrer atmosphérique dans le noir, bien sûr, parce que sinon ce serait pas drôle. Alors. J'ai mis un bouclier thermique. Temps de quoi éjecter. Oui, c'est un concept.
Allez. Peut-être purger les réservoirs de xénon. Ça fera moins de masse à... Après, même si on n'a pas 3 tonnes. Oui, mais en fait non, parce que sinon j'ai plus d'énergie. Un petit non rétractable. T'as quoi comme paramètre de déploiement? De déploiement sûr, oui. Et pas sûr qu'on ait un déploiement sûr ici. Un bon contrôle là avec le Nigritfin. Est-ce qu'il chute drastiquement? Plus que 3000 mètres secondes. Pas d'échauffement. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Mais je pensais me désintégrer à ce stade-là. Je suis déjà à une vitesse de rentrée qui est... qui est gérable. Thank you.
essayer de faire planer, mais non, ça marche pas longtemps. Ok, on commence à être dans des couches plus denses. On est quand même à 115 km. Hein. Seulement 280 mètres secondes. On va mettre un moment à descendre là. À cette vitesse. Je sais même pas pourquoi j'ai pris des parachutes. J'ai pas un seul échauffement. Et on a fait un bon bout du chemin, hein, déjà. Les 70 km sont passés. On attaque les couches bien denses. On continue de freiner. Sans échauffement. Oh, il y a de l'échauffement en premier. Mon premier lancement où j'étais un peu trop de travers, où ça a explosé. Il y a échauffement sur le jeu. Cinquante-huit kilomètres. Quarante kilomètres.
descend à 100 mètres secondes, quoi. L'atmosphère est si dense. Et ça m'a freiné comme ça, mais en plus, j'ai même pas pris un seul échauffement. J'ai une entrée. Un bon profil de rentrée, a priori. J'ai vraiment juste léché les 10 premiers kilomètres pendant suffisamment de temps. Et là, on est à 95 mètres secondes. Mais quand je vais déployer mes parachutes, je vais rester bloqué. Ça va plus descendre. Sérieux, on est à 32 km, on est sous les 90 mètres secondes. Est-ce que c'est les grid fins qui aident aussi à ralentir? Mais là, 80 mètres secondes. Ici, je suis en rétrograde. Je suis bien en rétrograde. Mais je suis totalement étonné de la façon dont j'ai ralenti en rentrant dans cette atmosphère. Je m'attendais littéralement à exploser dessus, quoi. C'est une géante gazeuse. Tu passes pas dans les couches hautes d'une géante gazeuse en te baladant tranquillou, quoi. T'es désintégré bien avant par effet de marée. Je vais même pas sortir mes parachutes à 10 000, hein. Je vais les sortir à 5 000, sinon je vais mettre 3 plombes pour descendre. À 60 mètres secondes, quoi. On attaque les couches hautes. On n'est plus qu'à 50 mètres secondes. Replie les aérofreins. Limite, il faudrait que je rentre les grids fines sur la fin. Ouais. Non, mais si ça va vraiment trop lentement, je peux virer les parachutes de freinage. Bon. On ouvre tout le monde. On est à 9 mètres secondes juste avec les parachutes de freinage. C'est à 2000 mètres que le parachute principal va se déployer. Pour l'instant, il est encore en drapeau. Mètres secondes.
Ah bah là, au moins, c'est safe, hein. Mètres/s. À 1100 mètres. Pourquoi j'ai mon énergie qui baisse ? Parce qu'on communique. Allez, plus que 500 mètres. Plus que 200. Un sol sur une géante gazeuse. Je vois plus les étoiles, pardon. Plus que 80. 70. 60, 50, 40, 30. C'est la nuit noire, je n'y vois rien. Et on est atterri sur le moteur. Sur un panneau solaire. Et mon science junior, il dit rien là. Poser l'équateur de Joule en placement de recherche invalide. Oui, c'est...
c'est pas très joli. Hein. C'est épais. C'est épais, c'était vert. Et ben voilà, posé sur la soupe de Joule. Bah c'est pas mal, je pensais pas que j'arriverais à me poser là-dessus. Bon, les grilles fines, bien, hein. C'est peut-être ça qui m'a permis d'y arriver. Bon, je pense que c'est juste Joule qui est pas encore... Normalement, ça te broie. Que je suis jamais allé sur Joule sur le premier, donc je ne sais pas trop. Recherche et développement. Non, pas recherche et développement. Contrôle mission. Contrôle mission. Test de lentilles. Super. Compris. Merci, science. Et voilà. 12 000 points de science. Planter un drapeau sur Paul. Obtenir un rapport de prélèvement sur l'étrange créature de Light. Wow. Là, ça commence à faire... Et le monument de Tilo. Et là, avec 12 000 points, je devrais pouvoir débloquer des trucs. Très simple. Pas... Jet, on s'en fout. Metallox pour espace profond. Oui. Thème d'énergie agrandi. Oui. C'est 1800 points, quoi. Génération longue portée est à quoi? Pile rechargeable de 4000 unités électriques. Ah bah voilà, RTG! C'est ça qui me manquait. Pile rechargeable. Un solaire rétractable énorme. Un labo stellaire. Fusion nucléaire lourde. À niveau 4. C'est la partie XL. Science aquatique. Tiens, mais ça faisait 270 dans l'atmo, 310 vide. Ah oui, ok. Ouais, celui-là, il commence à causer pour le vide. 385. Et là, 1450. Ah oui, ça commence aussi à causer celui-là. Avec les réservoirs d'hydrogène. Ah. Mais bon, ça sera sûrement pour la prochaine fois. Celui-là faisait combien? 900. Ah oui, j'en avais collé je sais pas combien à chaque fois. Parce qu'en même temps, j'avais fait des monstres. J'avais fait des trucs normalement on fait avec... avec ça. Eh ben en tout cas, on aura bien bossé, on a envoyé... On a réussi à envoyer notre sonde sur Joule, à faire notre analyse atmosphérique de Joule. On a plein de points de science qu'on pourra utiliser la prochaine fois. Donc c'est bien. Ben en tout cas, merci à vous tous d'être passés. Moi, je vous retrouverai demain soir avec
capot, alors que je vais lui reconfirmer quand même, sur Icarus en coop. Je pense que je serai avec vous jeudi aussi pour rattraper un peu le temps perdu par la maladie la semaine dernière. Et vendredi également, mais je n'ai pas de certitude du planning précis. Donc voilà, en tout cas demain soir, Icarus avec capot. Et pour la suite, je vous tiendrai au courant. Et d'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao.